soin de l'animateur Potavaris qui réallonge maintenant ses foulées et qui se détache irrémédiablement dans ce prix de la traversière, laissant une belle impression ici. Potavaris, le numéro 2, va s'imposer très nettement pour ses premiers pas. Très bien, on est l'entraîneur, on est le maître du jeu, deuxième place. Ainsi qu'avec l'invaincu Motamaris qui se rapproche à la corde et vient en compagnie de l'Irlandais Blenheim Palace, Zakros Tokros. Alors fermez attention car à l'extérieur maintenant voilà le grandissime favori. Il s'agit de Persian King qui vient très facilement à la hauteur des premiers alors que Sotsa s'est lancé à son extérieur. Alors qu'il en revient également en dehors avec le numéro 9, K-Pop Good Hope. Persian King qui a le meilleur, mais le numéro 14, Sotsa s'est lancé à son extérieur par Christian Demiro. Sotsa qui a pris l'avantage, Persian King qui est deuxième, Sotsa qui s'en va, Sotsa qui s'envole, Sotsa qui va triompher dans le prix du Jockey Club. Persian King est deuxième, Motamaris troisième, K-Pop Good Hope. Hello, 2000 mètres à parcourir avec la rentrée de Motamaris qui a été placé à l'arrière-garde par son partenaire Aurélien Lemaître. Devant c'est King et Duncan Skyward, alors que les deux placés de groupe 1 viennent à flanc de peloton à l'intérieur, à savoir Motamaris qui accélère maintenant et qui vient très facilement sur la ligne de tête devant Wake Star. Motamaris passe à l'attaque alors qu'à l'extérieur, Coria Senora lutte activement avec le numéro 7 de Top Max. Top Max veut en prendre l'avantage, mais Motamaris est lancé et est équilibré maintenant en pleine piste par Aurélien Lemaître. Motamaris qui est passé de la dernière place à la première en 200 mètres va s'imposer pour sa rentrée dans ce Grand Prix de Compiègne. Motamaris est de retour, il s'impose ici.